J'ai décidé d'arrêter la Coupe du Monde. La compétition, de manière générale, non, je dirais. Je pense que j'ai l'esprit compétitif et pour le moment, j'ai pas envie de tout arrêter. Mais voilà, j'ai décidé d'arrêter le circuit de la Coupe du Monde parce que j'ai la sensation d'avoir fait ce que j'avais envie de faire, d'avoir atteint mes objectifs, d'avoir appris beaucoup. Aujourd'hui, je sens que j'ai envie de faire d'autres choses et vu que je suis pas capable de faire... De faire les choses à moitié, en fait, ça fait quelques années que je prends un peu du recul, que j'essaie de faire d'autres choses en parallèle, mais c'est pas évident voilà, de faire deux choses. Moi, ça me correspond pas vraiment. Donc aujourd'hui, je sens au fond de moi que c'est le bon moment. J'ai vraiment un sentiment de satisfaction énorme par rapport à ce que j'ai fait. Je suis vraiment heureuse de tous les moments que j'ai passés sur la Coupe du Monde et sur toute ma carrière jusque-là. Donc je pense qu'il y a même les moments durs, il n'y a rien à enlever. Si je devais le refaire, je referais pareil. Donc c'est pour ça, j'ai envie de rester sur cette bonne énergie, sur quelque chose de beau, quelque chose qui une belle image de ma carrière et aujourd'hui voilà, je sens au fond de moi que mon instinct me pousse un peu vers d'autres horizons. J'aime voyager, j'aime faire beaucoup de choses, donc c'est une des choses difficiles dans la compétition pour moi dans le haut niveau, c'est qu'il faut être super concentré et on peut pas s'étaler sur d'autres sports ou sur beaucoup de choses. Il faut quand même être vraiment, vraiment concentré sur ce qu'on fait. Donc voilà, je suis vraiment ravie en fait de la façon dont ça se passe parce que je sens que ça vient du cœur et que pour moi c'est quelque chose de positif. C'est un nouvel élan. Il y en a beaucoup qui sont... Quand j'ai annoncé ça, il y en a beaucoup qui l'ont pris comme quelque chose de triste, comme quelque chose de un peu brutal. Non, ça fait un moment que j'y réfléchis quand même. Et pour moi, c'est juste un nouvel élan et tout ce qui est derrière, c'est que du bonheur et c'est tout ce que j'avais envie de faire. J'ai la sensation aussi de laisser quelque chose derrière moi, d'avoir pu marquer un petit peu... laisser un peu ma trace dans l'histoire du ski alpinisme, donc c'est ce que je voulais et aujourd'hui c'est que du positif pour la suite parce que je vais pouvoir me servir de tout ce que j'ai fait et du coup ça continue, en fait ça s'arrête pas vraiment ici, c'est juste une nouvelle étape à moi qui s'ouvre à moi quoi. Depuis 2013, en effet, je pense que j'ai remporté mon premier globe de cristal, donc le premier classement général de la Coupe du Monde. Et puis après, c'est vrai que j'ai réussi à me maintenir au plus haut pendant pas mal d'années. Cette domination, je pense qu'elle est due dans un premier temps au fait que ça a été un choix. Hein. J'ai vraiment consacré 200% de ma vie à mon sport, à ma carrière sportive. Je me suis vraiment investie corps et âme, comme on dit, et j'ai mis beaucoup de choses de côté, ma vie personnelle, ma vie familiale. J'ai fait pas mal de concessions pour ça. C'était un objectif, un rêve d'enfant, je pense, de pouvoir vivre de mon sport, de pouvoir être la meilleure dans mon sport. Et du coup, voilà, j'ai tout mis pour que ça fonctionne. Donc je pense que ça, c'est une des clés de mon succès. Et puis je pense que cet esprit compétitif, ce côté, cette détermination que j'ai d'aller vraiment jusqu'au bout, de jamais rien lâcher et d'y croire jusqu'au dernier moment, ça m'a valu beaucoup de victoires en fait, mine de rien. On l'a peut-être pas vu comme ça de l'extérieur, mais en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de victoires que j'ai remportées quand même sur le fil et un peu au dernier moment, dans la dernière descente ou juste et voilà, c'est un peu ça qui a fait que j'ai réussi à dominer le circuit, on va dire pendant pas mal de temps. Je vis de manière très intense, je pense. J'aime vivre de manière intense et je suis souvent dans l'excès. C'est peut-être pas forcément que du bon, mais en tout cas, je suis perfectionniste. J'aime faire les choses bien
Voilà, donc c'est un peu le mix entre le caractère et entre toute l'énergie que j'ai su y mettre. Je me suis donné les moyens de pouvoir rentrer en tant que sportif de haut niveau de la défense dans la gendarmerie parce que je pensais que c'était l'idéal pour moi. Donc c'est vrai que j'ai vraiment essayé de bosser sur tous les plans, d'être minutieuse jusqu'au moindre détail et de bosser avec les meilleurs, de me créer un petit peu ma propre équipe. Et donc ça a marché et ça a payé. Je pense que déjà forcément c'est quelque chose qu'on aime, hein. Gagner c'est au niveau adrénaline, au niveau hormonal, au niveau émotionnel, c'est des moments tellement intenses, c'est des moments qui sont courts par rapport à l'investissement mais qu'on aime, je pense qu'on devient un peu addict à ça, hein. C'est des moments qu'on aimerait revivre et revivre, donc forcément c'est quelque chose qui motive. Être leader, être la fille à battre, pendant plusieurs années ça a été ça. Et je pense que c'est pas forcément quelque chose de facile à gérer pour certaines personnes, mais en fait ça peut être compliqué à gérer. Mais moi je l'ai plutôt pris sous le bon côté. Je pense que je me disais qu'il valait mieux être dans cette situation-là que finalement dans une autre. Donc j'avais plutôt la bonne place et en fait j'ai vraiment profité de cette, je pense, et profité de cette situation-là. J'ai essayé d'apprécier un maximum cette position parce que c'est agréable aussi. Hein, c'est quelque chose qu'il faut savoir apprécier. Je pense que ça ne dure pas toute la vie. Et au final, j'ai vraiment essayé de profiter de cette situation pour moi, que ça me rende encore plus forte et de me dire, tu es dans cette position-là, c'est pas pour rien et profites-en. Et en gros, j'ai toujours essayé d'utiliser ça comme une force et de le prendre plus comme un stress positif que quelque chose qui me stressait de manière négative, quoi. Toujours essayer de promouvoir cette discipline au niveau des femmes, hein, des filles et aujourd'hui encore puisqu'on a monté un projet avec Tania Naville, c'est le Women's Kimo Project, donc c'est quelque chose qui me touche quand même. Et c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu ça m'a toujours motivée de parler de cette discipline et d'essayer de motiver les filles à pratiquer plus parce que j'ai toujours trouvé qu'on était trop peu nombreuses par rapport au potentiel qu'il peut y avoir des nanas qui ont la combativité, qui aiment le ski, qui aiment la montagne et qui ont le goût de l'effort, il y en a. Et donc c'est vrai que ça a toujours été un peu entre guillemets frustrant de pas pouvoir amener plus de filles et de pas pouvoir leur faire découvrir cette discipline qui est magique. C'est pas évident. La question, on se l'est reposée, pas évident d'y répondre, mais c'est sûr que aujourd'hui encore, il y a encore une différence entre les hommes et les femmes. Il y a des courses encore, notamment à l'étranger où il y a des grosses différences sur les primes, les résultats, donc j'ai l'impression que ça motive pas beaucoup, hein. Certaines courses les différences sont tellement énormes que les filles ont même pas envie d'y aller parce que c'est un peu triste de voir ça. La suite, j'ai toujours beaucoup d'idées, hein. J'ai toujours je pense que il y a tellement de choses que j'ai envie de faire, que j'ai envie de découvrir, que je ne suis pas inquiète là-dessus, je ne vais pas m'ennuyer. J'ai envie de rester finalement dans le... Enfin, je dis finalement parce qu'au début, j'en étais pas certaine il y a quelques années, mais aujourd'hui, j'ai envie de continuer encore quand même sur les skis parce que j'ai envie de faire partager mon expérience. Je sens que j'ai appris beaucoup. Et puis, on a le projet, donc le Women's Kimo Project avec Tania Naville qui continue, qui a été lancé cet hiver avec un épisode zéro au Japon qui a déjà été fait l'automne dernier, qui était pour lancer le projet. L'épisode numéro 1 en Islande et puis numéro 2 en Grèce ont été tournés cet hiver. Donc le projet est déjà bien lancé. L'idée, c'est plus en termes de communication, de faire une série télé en fait, qui vise à promouvoir le ski au féminin et qui en fait le but c'est d'aller à la rencontre de filles qui font du ski de randonnée, du ski alpinisme sous
quelle que soit la manière, finalement, dans des lieux un petit peu atypiques, des lieux qui sont inspirants, motivants. Et chacune d'elles a une histoire particulière qui, j'espère, donnera envie à d'autres filles de pratiquer et puis de se joindre à nous. Donc ça c'est un beau projet aussi qui me tient à cœur. Et puis, pour rester un peu dans la compétition et l'été, j'ai pas mal d'ambitions au niveau du VTT, du cyclisme. Donc, je vais quand même continuer la compétition sur le vélo et également l'hiver quand même, parce que comme je disais, il y a quelques courses que j'ai encore envie de faire que j'ai pas pu faire parce que malheureusement, on peut pas tout faire. Et quand on fait le circuit de la Coupe du Monde, le calendrier est déjà bien rempli. Donc là, le but, c'est de pouvoir aller sur certaines courses qu'on peut pas faire habituellement, mais qui sont à faire, je pense. Donc voilà, je pense qu'on aura l'occasion de se recroiser.